Merci bien Banakin, Bana Poto, Bana partout dans le monde au Bozolandabiso sur le www.kleboa original, site le plus suivi de la planète. Merci à Rance Mouya Maestro, Balobitan Obota, la Bililia Kitoko, caméraman Moro Yabien, Bogar, Chouet, Galata Rabien, Marambutu Yabien. Un très grand merci à Dani Tsunami Bokombe, merci à toi César Ngadi, grand prêtre de prêtres. Merci à Paola Schengen qui est Londres, merci à Willy Moucheni, merci à Sylvie Mbembe. Merci à Gelor Mbembe, merci à Eloge Mouya, il y a les tout puissants carrés depuis Londres. Merci, aujourd'hui là, l'actualité se déroule autour de la République démocratique du Congo concernant RPDR en sigle, Rassemblement des peuples pour la démocratie de Renouveau. Nakati à République démocratique du Congo, Owapi Lelo, Basal ici, conférence de presse, il y a eu une discussion entre la presse avec la partie politique RPDR en sigle. Oyo balobe le libiso 4 points. Oyo to expliquer bien puis beaucoup tard la bientôt là na bilili ya Rance Mouya Maestro en collaboration avec Grady Mouya Ibenge de la presse. Donc premier point na bango pour na point de presse ya lelo ezali boye. Donc tolingi lisusu makambu ya troisième dialogue T. C'est-à-dire que parti et lingi lisusu makambu ya troisième dialogue T et puis ba boyi makambu ya troisième mandat et puis ba lingi te ba lingi ndeto kende na ba élection et puis quatrième point ezali au plus tard le 31 décembre 2017 tokende na ba élection ce qui en salimité peuple et se prendre en charge. Merci na ba combattants tout bazolanda biso partout dans le monde. Merci na côté Afrique du Sud na bino to bolingara biso na Paris ainsi de suite beaucoup monde na ba image le lengeni ni président alobeleli concernant makambu nyonso tout pour ezali actualité politique na kati ya République démocratique du Congo RPDR en forme RPDR en forme. Merci à Rance Mouya toko tana kati to zabilili. Merci de votre présence ici. Je voudrais, sans plus tarder, vous donner vraiment les raisons pour lesquelles je vous ai invité à cette conférence de presse. Je suis le président du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, RPDR aussi. Notre parti est membre de la dynamique de l'opposition congolaise. Vous savez vous-même que la dynamique est aussi membre du Rassemblement. Donc, par conséquent, nous sommes membres du Rassemblement. Aujourd'hui, si je vous ai invité, c'est parce que j'ai un message. Oui, j'ai un message. Le parti a un message. Nous avons un message. Un message qui, dans un premier temps, n'engage que nous, nous comme RPD. Le message que nous voulons transmettre n'engage d'abord le RPD. C'est quoi le message ? Le thème central, l'objet de cette rencontre, ça se résume en quatre points. Un, pas de troisième dialogue avec le régime en place. Deux, pas de troisième mandat pour le président Kabila. Trois, pas de référendum. Et quatre, pas de modification constitutionnelle. Et le cinquième point, cap vers les élections au plus tard le 31 décembre 2017. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accord signé le 31 décembre 2016 a été violé. Violé par la majorité présidentielle. Donc par conséquent, cet accord... Ce n'est pas que nous l'avons rejeté, mais nous gardons seulement l'âme de l'accord. Nous gardons ce qui fait la substance de cet accord-là. Et c'est quoi? C'est la volonté d'amener le peuple congolais vers la démocratie par les trichements des élections. Oui, nous voulons qu'il y ait installation de la démocratie dans ce pays. Et cette démocratie ne pourrait venir que par la voie des élections. Ça, c'est la substance, raison pour laquelle on avait signé l'accord du 31 décembre. Mais on avait dit que on devait prendre la primature, on devait prendre le CSA pour garantir
des élections. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'accord a été violé d'une manière délibérée. Mais puisque l'objectif de l'accord était l'installation de la démocratie par le truchement des élections, nous gardons cette disposition-là. Maintenant, notre combat, c'est d'aller vers les élections, mais avec l'implication de la communauté internationale pour garantir la crédibilité, la transparence de ces élections. À partir de là, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Et vos questions pourraient toucher aussi bien le processus électoral, ça pourra aborder la question de l'évasion des procédures politiques, ça peut toucher la question, mais beaucoup de questions, nous sommes prêts vraiment à répondre. Mais le message central, ce n'est pas le troisième dialogue, pas de mandat, troisième mandat pour le président Kabila, pas de modification constitutionnelle, pas de référendum. Cap vers les élections. Ça, c'est le message que nous avons tenu vraiment à transmettre à la communauté nationale, mais aussi internationale. Voilà. Mais puisque nous sommes ici avec la presse, autant, enfin la presse française, mais aussi Lingala, je voudrais revenir à Lingala pour dire la même chose que je viens d'exposer là maintenant. La bien simulation pour posséder un bien. Bon, voilà. Donc, on a tout comme la français, on a le bénévole sous le Lingala pour la presse lingalophone. On a vu bruit. Le RPDR, qui veut dire Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau, est un parti politique où ils sont membres et ennemis de l'opposition. Mais aussi, ils sont membres et rassemblement. Mais les lots, tant nous suivons le Bahawa, nous n'avons pas le bas, nous avons le cadre de RPDR. Donc, ma caméra pour le bas, c'est pour engager RPDR. Je n'ai pas engagé ni la dynamique, ni le rassemblement. Tout ça pour le Bahawa. Tout bien si bien Awa, pour topper ce message au Yo, pour la bande de Renaissance, pour le Congo, mais puis il y a au Bazar et le Kounissus. Tout le Bibouï. Toligny, Suskoyok et Makamouya, troisième dialogue. Tu salues deux dialogues. Dialogue le 18 octobre, dialogue il y a 5 ans, ça suffit. Troisième dialogue, tu m'as dit, mais on le souhaite. Yami Bane, Toligny, Koyok et Makamouya, troisième mandaté du président Kabila, parce que la constitution interdit Yango. Yami Satou, tu boy Makama référendum, ni ma modification constitutionnelle, parce que l'article 220 de la constitution est boyamou. Comme je suis dit que pour le moment, Tolingi Tokien de la élection au plus tard du 31 décembre 2017, Tokien de la Ponami, peuple Apona, Batoya Lingi. Tout en sachant très bien qu'une élection là, le président Kabila vous a condamné. Toujours qu'une élection, toujours c'est une élection. Mais pour nous garantir, je dirais plutôt, stabilité, tout, comment dirais-je, au solo de ma polémique, tout le monde, la communauté internationale, va s'impliquer dans le cadre de dans un premier temps, tout le monde qui rassemblement à vos voix, primature. Rassemblement à vos voix, c'est ça. Les élèves qui ont un équilibre. Pour que les élections soient en péto, en solo. Mais comme Bango va violer l'accord Rwanda, va suer en haut, tout le monde se souvient, mais tout garder, Oyo, les alliés objectifs de l'accord Rwanda, beaucoup m'emboka, n'a pas pour nous. Pour que de faire les élections avant le 31 décembre 2017, pour les cadats, il faut que les élections soient en péto. Pour le cadre tu vois là pour tout le monde ma troisième mandaté tout le monde ma il y a référendum tout le monde ma comment dire modification constitutionnelle nous voulons application il y a un accord signé le 31 décembre qui dit que au plus tard le 31 faut ma polémie et ça ma tête il y a un bon cas voilà un peu message au du mec pour faire ça la bande de polémiques mais à partir de là tout ça est ouvert
na ba question nous tu vous poser biso pour vous répondre yango sur l'actualité sur les enjeux de l'heure pour vous répondre ba question nous tu na basi message central to ne ba bitu me mama na l'indicapou de l'eau aujourd'hui pour le bas avant vous êtes malo Rassemblement que j'ai composé la plateforme. Pour un acte de rassemblement, il faut être membre de la plateforme. Tant que rassemblement s'est mis dans le journal, moi j'étais présent. La neuf plateforme, moi, c'est le rassemblement. Tchibala a été membre de l'UDPS. L'UDPS a longoli. Nakatiya, l'UDPS. Par conséquent, a été membre de rassemblement. Donc, dengue, au Kozamboka. A nommé qui est premier ministre, a nommé en violation un accord. Parce que Azassou Mouta rassemblement, partant du moment que UDPS a longué la tête de UDPS, a longué automatiquement la tête de rassemblement. Voilà le premier élément à Moutoune. Deuxième élément, tant que vous avez bien servi sur le point de l'égalité, pour l'abri, l'accord pour les équipes signé le 31 décembre 2016, le bâti pour les. Un, au Koziamboka a voté Kalawana till le 31 décembre 2017. Mais entre-temps, faut de cesse à l'élection présidentielle, législative, na provinciale. Deux, pour garantir la stabilité de l'institution, le Premier ministre il faut un rassemblement. Donc le rassemblement devait présenter le Premier ministre qui devait être nommé par le chef de l'État. Babalité qui est présenté 3, 4, 5, 6 premiers ministres. Présentent les premiers ministres. Or, la parole du peuple, ils ont sué l'accord. Va changer, va faciliter, va bien que le premier ministre sera issu. Comment ils vont monter? C'est-à-dire sera présenté par le rassemblement. Oh, rassemblement, tout présenter, doit présenter premier ministre, les biseaux, les acquis, Félix, Tshisekedi. On te présente à qui? Bon, il a te présenté trois candidats. Tu vois qui? De deux. La quatrième rassemblement, nous avons poussé UDPS, c'est le seul parti dans la quatrième plateforme à rassemblement. Parce qu'il y a un Congo-Bag du Cheval. Là où il y a l'UDPS, c'est là où il y a le rassemblement. Mais tant que nous sommes tous les rassemblement, il n'y a qu'un seul rassemblement. Bon, il y a un président de Bangote. Il y avait des sous-bourtés très bien dans la conférence, il y a dialogue à Senko. Il y avait 13 représentants à rassemblement. Mais qui était chef de la délégation? Félix. Mais Félix n'a pas monté. 12, basé à Félix. Mais comment tu peux dire que le rassemblement n'est pas la même? Non. Il n'y a qu'un seul rassemblement où il y a Bisson. Celui qui me pose un mot, quand ça m'a commandé la solo, il fallait un nommé premier ministre dans le rassemblement où il y a Bisson. Tu vois qu'il y a un nouveau. Parce que ils ont travaillé 98%, pas été traités, ils ont travaillé 2%. Et ces 2%, ils ont été liés à quoi? Le monsieur le Premier ministre, là, le monsieur le Président, il y a 5 ans. Mais avant, ça va donner ce dossier, il y a un dossier. Donc, Zamboka, à Koutana, avec autorité morale, il y a majorité présidentielle, à Koutana, autorité morale, il y a rassemblement, bas sur là. Pour trouver consensus, nous avons nommé le Premier ministre. Bon, ma boy, tout nous s'assurer. Il y a un peu de qui au bon, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un. Quand on écrit à la Saint-Paul, lorsqu'on a signé l'accord, l'accord a été signé d'un commun accord entre la majorité présidentielle et l'opposition. Le rassemblement aussi, l'opposition le 18 octobre. On a signé dans le texte, on a bien dit le 31 décembre, il y aura élection. Dans ces pays, nous devons commencer à respecter les textes. Si on avait bien écrit que le 31 décembre, il y aura élection, parce qu'on avait estimé, on avait jugé que c'était normal que le 31 décembre, il y ait élection.
Maintenant, tout ce que nous demandons, le respect des textes, qu'on aille aux élections. C'est vous qui nous apprenez qu'il n'y aura pas d'élection. Je ne sais pas ce que vous avez compris. C'était votre déclaration, pour moi. Oui. C'était votre déclaration de l'opposition que vous avez dit ça. Au moment où les experts de la CENI étaient présents dans la salle, aux assises de la CENCO, ils ont bel et bien démontré qu'il n'y aura pas. Oui. Très bien. Nous sommes CENI Batour. Batour, il y a Babiro Ming, pour remarquer à Mobé. Donc, on sent quand même quelque part qu'il y a une volonté qui est Batinoa, basse en volée militaire. Mais pour quelle raison? Ça, je pense que Naïk va avancer, résulter peut-être mon vice-président pourra dire un mot là-dessus. Pourquoi cette volonté de ne pas mieux travailler? Ok, merci président. Il m'appelle demandé le vice-président du RPD. Bon, oui, actuellement, dans le système autobongi électronique, on peut déjà orienter vers l'élection rien qu'à partir d'avant. Parce que par province, l'herbe va appliquer quotient électoral et pour définir et pour donner le nombre où il y a siège par province. C'est-à-dire, parce que la grande Bazui, nombre d'inscrits enrôlés au niveau national, va diviser en gros. On a 500 sièges où il y a le Parlement, on va trouver où il y a bien un quotient électoral. Quotient électoral, on va appliquer un mot province par province en fonction il y a un inscrit. Mais vous déterminez le siège. Bien entendu, il y a d'autres circonscriptions où ils ont assez à côté, comme les circonscriptions, et vous avez automatiquement un siège. Voilà, alors si vous avez contrôlé par fichier électoral, dans la volonté, il y a pour orienter pour l'heure, il y a future assemblée, bah et puis pour ça la nini, il y a pour payer ça va voir côté monsieur, bah enrôlement va faciliter côté monsieur, n'a pas freiner côté monsieur. Donc c'est le cas aujourd'hui, il y a une volonté bien délibérée, il y a pour contrôler CENI, y compris le pouvoir, la majorité, de faire en sorte que la côté ouest et Zara n'a pas enrôlé l'unité. Parce que le bac a dit que CENI a commandé 42 millions de cartes électeurs, tout en sachant que tu as dit 70 à 82 millions. C'est-à-dire, à priver d'office une population comme il y a un pays comme Angola, possibilité de s'enrôler. Or, raison pour laquelle Oyo, la majorité, voilà, l'élection est au sein du mandat 2016, entre autres, c'était pour l'enrôlement des nouveaux majeurs. Mais voilà, maintenant, l'air se dit, à ça pour ce bacal, au lieu de commander 4 points, Batounio surtout, mais il est attablé sur 42 millions. Cela veut dire qu'il y a 30 à 40 millions encore pour ça explique. J'espère que la majorité va y aller. Alors, surtout que pour être dans l'élection, il y a 40 citoyens congolais qui ont été exclus par la CENI. Donc voilà, le danger électoral est aussi dans ma paix. À partir de maintenant. C'est pour cela que je demande à ce que le Coran va ouest, le Coran à Kishasa, partout bas qu'il faut s'enrôler massivement, comme ça, il faut contraindre le CENI et à commander Bakat pour qu'on a chaque citoyen à avoir la possibilité de rejoindre la électorale. Très bien, donc de profiter pour Rodaksaboy. On appelle pas seulement les Kinois. Mais aussi, Neko Oyo, il y a Maindombe, il y a Kuilu, il y a Kwang, au bazar qui s'enrôlait sur Kaskoyo, malgré le fait que Bazar au Sala Nyospo va décourager l'enrôlement, bon qu'il n'y ait massivement pour s'enrôler, bon ça décourager, bon qu'il ne vous enrôler, ça va prendre 3 mois, n'hésitez pas, allez vous enrôler massivement de manière à ce que tout crée équilibre. Déjà, tout ça pour dénoncer un mot, manœuvre, on est assaini. C'est pourquoi d'ailleurs, parmi Bakouma Nabiso, tous les qui ont audit, il y a CENI, avant qu'il y ait une élection, le CENI fait ça auditer. Côté, qu'est-ce qui est caché derrière la manœuvre de tout le. Donc, tout ça pour dénoncer cette façon, cette manière de faire pour nous décourager les Congolais, va s'enrôler massivement. Clébois, original, question d'Angé Zalibou.
depuis l'opposition bandit combat na yango na katamboka oyo solution ata morote ezozwa maka tozo mona population ko kufa au fur et à mesure na année où l'équipe ezala ki carte vert sous carte rouge mais to mona ki eloko morote salami ki to yo mona population au contraire et subir ba conséquences nous sous tout ça pourquoi compte tenu il y a ma décision ou toujours opposition et ça causera. Si quoi on a monté une libération et ça boit. Nassima il y a le 31 décembre Oyo bino vous proposer na batu que non il faut qu'à l'élection et ça là. Ni ni au bino vous préparer na côté opposition après date Oyo. Et puis question mi balé zali boit. Ni ni Oyo et zali comme réaction na bino étant batu opposition compte tenu à ma évasion autour de l'étendue de la République démocratique du Congo. Je pense qu'elle a soutenu. J'ai pour tout le monde parlé. Il y a Liboso, de passer le 31 décembre, dans le salle et loco, ni. Non, je suis le Libou. Au moins, je suis le Libou. Je suis le Libou. Je suis le Libou. Banda, je suis le Banda, je suis le Libou. Depuis 1960, la seule vraie élection où Mboka est connue, c'est que Lumumba a gagné l'élection. Lumumba a gagné l'élection, il a été appelé à la première ministre. Mais tant que comme le 14 septembre, au bout de la première ministre, il a été limogé Lumumba, il a gagné beaucoup fort. Nanou, et puis, dans 64-65, Tchombe a cessé l'élection, au Kimba, d'abord Tchombe a gagné l'élection, au bout d'intervenir, c'est le coup d'État, deuxième coup d'État, le 24 novembre 1965. À partir de la date où on a, ce pays n'a jamais connu l'élection. Sauf au moment où tu as cessé qui, voter Maya Pondou, voter Maya, Yavera, Maya Vert, Namaya Moutani, Namaya Nini, tout cela. Mais il y a beaucoup de candidats, tu remets en nouvelle élection. Donc, à diriger ce pays pendant 32 ans, dans la dictature. Après ça, la possibilité était que Bande Moussous Bazo a pouvoir dans Mbokoyo, la seule choix est que vous avez un doc. Il y a un Laurent Désiré Kabila a un mandoc. Aidé par le Rwanda, aidé par l'Ouganda. A un mandoc, il y a un le maréchal Mobutu. Kabila a un pouvoir à mettre ma partie politique comment dire, en stand-by. Ma partie va se péliter. Guerre contre la guerre d'Amboka. Bah, Rwandais va soutenir Zaini Ngoma. Zaini Ngoma. Bah, celui qui est parti à Congo. Bah, Ougandais va soutenir Jean-Pierre Bemba. Bah, celui qui est nombre de pays. Pays comme il est divisé en trois. Kabila perd, a tiré une seule partie. Jusqu'à ce que Bagoumi Kabila perd. Tant que Bagoumi est pays divisé en trois, Tokyo est dans 100 cities. Quand tu veux nous yokana, tu le biboui. Banda les lots, ce que mon toilinga joue au conseil n'a pas d'ambo dans le bisou. Il va s'en au conseil par voie et bénédiction et pas y avoir colo, ma bénédiction peuple congolais. Deuxième résolution, ce qui peuple a perçu au pouvoir, aux accords en droit, il y a deux mandats, pas trois. Deux mandats, d'ailleurs, ce qui est signé, aussi nous y a au pays. Troisième résolution, ma PC m'a dit que comme Moutoumongo a gagné guerre, tout se mettre sur ensemble, tout diriger le pays pendant 3 ans, c'est plutôt que les élections. Il y a un moment qui formule 1 plus 4. Jean-Pierre Bemba, vice-président, Zaïni Ngoma, vice-président, Robert Roy, vice-président, l'autre c'est encore qui Hirodia, vice-président, avec l'actuel président Kabila. Président, va diriger ensemble pendant 3 ans. 3 ans, si mais bon, tout qu'il y a une élection en 2006. Kabila a gagné une élection, entre guillemets, a gagné une élection, on peut dire ça comme ça. Donc, a dirigé de 2006 à 2011. Premier mandat naïf. Dernier mandat qui vient de couper la constitution. Deuxième mandat naïf, 2011-2016. Normalement, le mandat est réuni ici. Il fallait à convoquer l'élection dans le mois de septembre. Pour dire que, comme par exemple, on a la salle, on a 6 mandats, on a
on est à convoquer l'élection, à convoquer le dialogue. Nous sommes des deux tenants, nous sommes des voyants, non. Convoquer l'élection pour la topona, mais à mon gaba pour la. Et nous a obligé que le début se voyait qui est mort. Tout pour y avoir, il y a moins de 5 ans que le 19 décembre 2016, Mandaré aussi là, à Simazina, Paris. Mais le peuple était d'accord là-dessus. Depuis le 19 décembre, il faut qu'il y ait Simazina, Paris. Parce que Mandaré est signé. Il y a un projet de sécurité, après ça, qui deux cartons. Carton jaune, ils ont encore le possible de prendre la vie. Carton rouge, ils ont le 19 décembre. Mais, quelque part, ailleurs, on a très bien que pour ne pas éviter que les gens ne soient pas chaos, pour éviter que les gens ne soient pas familles, habitons que nous avons un dialogue. Nous avons un dialogue, mais finalement, tout le monde dit un dialogue. Où il y a Kabila, mais où il y a le comité international à 5 ans, 20 ans, 17 ans. Il y a un dialogue. Nous avons signé d'accord. Mais sans parti pris, d'accord, ils ont violé les ministres tribunaux. Ce n'est pas l'opposition qui a violé d'accord. Ce n'est pas nous. C'est la majorité présidentielle à ce vieux bâton, la mise sur le milieu pour les bruits. Bon, on peut se souvenir, non. Et c'est pourquoi nous disons que le bâton, le 31 décembre, il faut qu'il y ait élection. Nous disons que le 31 décembre, il faut qu'il y ait élection. Ceux qui sont invités, donc, les présidents sont présentés. Le 31 décembre, il faut qu'il y ait élection. Ce que tu dis, c'est que les gens sont invités. Bon, on est des politiciens. Nous ne sommes que des politiques. Mais nous représentons la population congolaise. C'est la population qui est souveraine premier. C'est à la position de prendre ces dispositions. Il me semble très bien que tu as eu un mandat il y a un an le 31 décembre à partir de Bakor à Senko. Donc, comme le 31 décembre, pour respecter la moitié, il y a moins de missionnaires. Donc, si on tourne tout ça, nous ne sommes pas un peuple, pour que vous que voilà, pour que vous mandat à un an, tu as un an. Deuxième question, par rapport à l'évasion, il y a prison, tout ça. Bon, on met des questions d'évasion à prison. Batou, Batimi, Namakal, plus de 3000 personnes, c'est énorme. Batimi, Nakasamou, Batimi, Nabeni, 935 prisonniers Batimi. Le but est que le Mateta va battre Timi. Attendez, il y a un problème, il y a un souci. Est-ce que l'État s'en a gardé un bon moment? Qui est battre Timi, on peut comprendre ce qui est fait de surprise. Mais maintenant, les communes ont boué. Est-ce que l'État a un bon moment? Raison pour laquelle d'ailleurs, même au niveau parlement, mais bah, on va être la majorité, c'est, comment dirais-je, ministre de la Justice, a se justifier là-dessus, M. Tambou. Et c'est normal. Dans un pays, dans un État qui se dit responsable, oui, il faut qu'il y ait Batouba répondre. On avait appris qu'il y a un président Makala, Banoula qui est directeur du président Makala. Non! Directeur du président Makala, c'est que Mayon a fait la chaîne. Il fallait Banoula Nicolo. Donc nous disons que, effectivement, il y a un manquement grave au niveau de la décision Batouba a décidé. Donc il faut vraiment chaîne Wana. Bah, on tout va répondre. Ces pays, les gens n'ont jamais répondu là, bah, ni d'un moment. Personne n'est responsable. Or, c'est pas moi. Mais c'est qui? Et on a su d'accord pour dire que l'évasion, bah, on a déjà une normalité. Nous dénonçons le fonctionnement et à l'État. Et déjà, vous fonctionnez bien. C'est pourquoi on se pose la question, il y a encore un État dans ce pays quand on voit toute l'évasion sous moi. Voilà la réponse. Merci. L'évasion. On peut voir les choses d'une autre façon. Parce que, imaginez que le pays est en chaos. Ça ne pourrait pas être raison supplémentaire de dire qu'il n'y aura pas d'élection parce que le pays est en chaos. Et si Moutou a dit que l'élection est ratée, Moutou a dit n'a pas pouvoir remettre et créer le chaos. Alors ça l'a noté. Donc moi je pense que. On ne peut pas dire que l'évasion n'y a pas de hasard. Par hasard. On a cru que Bakal était par hasard, qu'on a battu à Mounemon. Or, on voit partout, ils ont béni ou ils ont battu l'objet, il y a toujours encore les gens avec les bandeaux rouges sur la tête. Et en plus, ils ont béni et révélé clairement que, après le chef, il y a auditorat militaire en matière d'avion, avec Kinshasa,
quelques minutes après, évasion Salami va attaquer, va bomber, va garder Ouaza sur place. On ne peut plus continuer à dire que l'évasion bah, Ouaza Salama à travers le pays, et ça simplement va bah, faire hasard. Je ne crois pas. Il y a une volonté réelle. Il y a pouvoir, il y a pour créer Karun Mboka, non seulement pour que l'élection bah, Salamate, et si à vous abattez, à Tikakao, moi j'ai la stratégie de terre brûlée que nous allons, que nous dénonçons ça maintenant. Bah arrêter Wana, bah tika Nemoana, tout qui est dans l'élection Mboka sera calme. Maintenant, il y a ce que Sidi, ils ont fait du monde de Joanne Kende, préparé Dauphin Ayo, basse à la belle élection, soit vous gagnez, vous gagnez, soit vous gagnez, soit vous gagnez, pourquoi vous plongez mon Dakao, car pour le tigre. Non, c'est pour ça qu'on dit non, il y a une volonté réelle, il y a pouvoir, il y a payer Kao Namboka pour trouver des arguments de ne pas organiser les élections ou de ne pas assurer l'alternance. Voilà, les amis, tu n'as pas de réponse. Pour considérer en haut, ben, la réponse qu'on a trouvé à avoir, puisque vous avez analysé Rousseau, mais tout ce n'a pas fait, il est tout le temps. On est vraiment basé dans la difficulté, ma casse, il se produire dans le niveau, il y a un mot comme ça, il y a suite, il y a la décision, opposition, et ça, vous avez avoir dans le cas de Yamboka. Donc, c'est là qu'il nous parle que, basé de cœur, et puis un avec vous, ici, dans le cas de RDC. Et le lot hérité Watanabe avec Fali Poupa bientôt là pour se produire au niveau il y a Paris, il y a Olympe et tout qu'on sort. Étant une opposition, vous marchez ensemble avec les combattants. Ni ni au beaucoup que l'on va combattre par rapport à la décision au bas il y a que les musiciens va se produire te l'Ibanda Mboka. C'est vrai, c'est une question importante. Mais pour ce qui nous concerne, les amis, ils ont vraiment, comment dirais-je, ils ont l'importance de les militer. Militer pourquoi? Parce que le thème central où tout le monde va avoir, que nous devons aller vers l'élection. Tu vois, dans le cadre d'un processus électoral. Mais plus qu'on pose des questions, on peut que même les amis, moi, la diaspora, là, pour répondre, c'est quoi Pumba et la diaspora? Par combattant, par ne pas qu'on a nul. Donc, heureusement, on nous sait. Il y a une analyse par combattant. Je dis bien analyse, il y a par combattant. Et puis, je donnerai position à partir de Musso par rapport à l'analyse. Voilà. D'abord, un, le pays Congo est occupé. Il y a dit occupé. Le pays étant occupé, Bango, Balini, Koyo, Kamakam, il y a une élection. Alors que moi, je suis en train de vous parler de ma caméra, élection. Lorsque la France était occupée par l'Allemagne nazie de 40 à 45, on ne parlait pas des élections, on parlait de la résistance. Il faut résister contre l'occupant. Parce que sous aucune élection dans un pays occupé, l'occupant finira toujours par remporter ma élection. Pour la Bango, les Congolais doivent continuer à résister. Quitte à ce que, faut continuer à résister. Bissot, la RPDL, comme je viens d'expliquer, depuis tout ça, ma partenaire Bissot, on s'est inscrit dans la lutte politique, pas la lutte armée, la lutte politique. Nous voulons utiliser toutes les voies aux arrières de la Constitution pour mener combat. Donc, par rapport à le commandant qui dit que le on a surtout à collaborer dans le pouvoir d'occupation, à collaborer. C'est-à-dire que si vous êtes congolais, vous allez travailler dans le pouvoir, parce qu'il y a le pouvoir d'occupation, il y a comme un collabore. On les collabore, on ne discute pas avec eux, les collabore, on les mate. On a un musicien, on a il y a un pouvoir dont il y a un collabore. Comme collabore, il y a un collabore qui la musique de la potote, entre autres parce que la musique est là pour distraire les potos, alors que le pays est là pour faire des choses, pour faire des choses. Maintenant, on se pose une question, comme président est parti,
quelle est notre position par rapport à Yango. Ben, nous, tout ce que nous savons, c'est que Zali, un peu difficile dans le sens très bien que il faudrait arriver à un certain moment par combattant, par musicien, par vanda, par sauveur. Va trouver terrain monde d'entente, va pas là-bas sauver. Puisque comme parti politique, notre combat est ailleurs. Puisque comme ça dit très bien que le 31 décembre 2017, nous pensons vraiment d'être arrivés et à vous guider vers un changement de tête à Mokoyo par la voie électorale. C'est-à-dire que le 31 décembre, il y aura une élection, donc on a un candidat. Majorité à retirer ma fenêtre, de vous battre la majorité parce que le peuple est avec nous. Ça, c'est notre position. Maintenant, par rapport à ma combattant, je dis que ça va très bien que. Bah, le combat pour le terrain, c'est pas trouver le terrain d'attente. Alors, question dans les abonnés. Plus qu'il y a besoin d'être accepté dans l'élection, aussi le temps pour la BSOP, la constitution pour la BSOP, au moment où nous tombons dans l'élection, et c'est la faute, paix. Et réunir tout le temps dire à la RDC. Alors, phénomène, comme on est ensemble, jusque-là, le matériel là-haut, jusque-là, il y a retour. On va s'envoler. Est-ce qu'il y a opposition pour qu'il y ait une élection bon, ou ça pour pas que la province soit enrôlée, bien trop que la négative, au moins pour jusque-là, on a saigné, on va quitter ce complet là-bas. Parce que c'est pour ça là-bas, qui va commander. Province la province, les gens qui se conduisent en haut, ils ont décidé pour moi, pas s'envoler. Alors, pour moi, la combat qui m'a ramené, les gens qui m'ont fait. Alors, les lots, jusque-là, nous allons provoquer et l'eau comme on dit. Mais le 31 décembre, et ceux qui vivent toujours. Parce que si ceux qui vont se conduire en haut, aussi, nous avons tout le phénomène qui commence à se conduire. Est-ce que l'élection, nous allons faire le 31 décembre? Nous disons que le 31 décembre, nous devons aller aux élections. Maintenant, il appartient à l'État congolais, qui met tous les moyens, bâtir tous les moyens pour mettre fin à un phénomène de transfert à Canada. Mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a affaire avec qui? Bazoubounaya Banane. Banane Bazoubounabouna. Banane Bazoubouma. Moi, ce que je sais, par exemple, que la communauté internationale, à travers l'ONU, a signé qu'il y ait une enquête international, et seulement par rapport à Mene Bakazo Koufarouna. Et je pense que vous voyez un mot, on a découvert plus de 40, comment dire, fausses communes, hein, c'est que Batimo le Goulou, Bakundi Batu. Il semblerait que Batu Bakoufoukouna, Mene Bakoufina Babane, Babeti Bamo Massassi, ou Bakoufi. Mais, est-ce que pour moi, les vidéos montées que les armées et les Goma, pour moi, ils ont été. Les vidéos sont montées partout. C'est notre armée, c'est Goma, tout cela. Donc, quelque part, il n'y a pas de connivence entre ce qui se passe là-bas, dans l'état de Bissot. Est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre fin à la situation là? Ceux qui posent en face là-bas. Lui, il a dit toute une armée. Ça peut prendre combien de temps pour finir cette histoire? Non, moi je pense que, comme a dit le vice-président, s'il n'y a pas quelque part une volonté de créer chaos, on peut arriver à mettre fin à un phénomène humain. Et en mettant fin à un phénomène humain, on peut aller aux élections du 31 décembre. Nous pensons que c'est possible. Avec une volonté, mais une volonté politique, Makamoza la canne à Mona, peut-être dans deux semaines, vous serez là. Donc nous appelons le pouvoir à mettre fin à la situation là. Mais aussi, il y a beaucoup de pour enrôler Batou, la canne. Parce que la canne, il ne faut pas voter. Batou, il ne faut pas voter. Parce que la canne, il va commander comme tous les autres commandes, ils ont le droit de participer à la vote. Donc, nous appelons le pouvoir à mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il n'y ait pas de la gare de Bokana de manière à ce que Batouba s'envole pour que les bénédictions, parce que le 30 décembre, quand vous faites les élections, il y a ce discours que parce que Kamboué, moi je vais me sauter, nous devons aller aux élections. C'est la question de pousser. On a essayé de répondre à ma question. Peut-être qu'il y a d'autres questions ou peut-être répondre à des invités, mais je crois que. On a fait vraiment des efforts pour répondre à toutes les questions.
répondre à moi. Mais avant tout, Kabouana, nous avons un message central. Pas de troisième dialogue. Parce qu'on a connu le premier dialogue, deuxième dialogue. Tolini m'a permis de te mettre à la banque dada, trois mois. Tolini m'a dadaté. Nous n'aurons pas de troisième dialogue. Deux, pas de troisième mandat. Devant une instance city, nous tirons dans la constitution, de l'obédien mot, chaque président a un droit à deux mandats à cinq ans. Cinq fois deux, ça fait dix. Dans tous les présidents, ça c'est deux mandats naïfs. À ça, c'est un droit, il y a un troisième mandat. Troisième point, celui qui n'est pas de référendum. Parce que le référendum, ils ont aussi la modification de la constitution, tout ça. Tout l'ignorant, parce que l'article 220 de la constitution est beau hier. Mais nous disons, cap faire par élection, ma élection moko, au lieu que c'est la crédible, transparente, démocratique, il faudrait que la communauté internationale va s'impliquer dans cette élection. Voilà le message que nous avons tenu vraiment. Il y a beaucoup de gens et nous espérons que beaucoup de gens très bien, que Pierre Boyo et je crois que nous sommes vraiment dans la comment dirais-je, volonté à peuple. Parce que le peuple, que veut le peuple? Le peuple a dit très bien que le tour de descente, toutes les élections. Point barre. Il y a une négociation sur le thé. Déjà, le 19 décembre, tant que vous tournez une négociation, le peuple a sécurité. Mais pour moi, il y a quand même la négociation. Là, maintenant, il n'est pas fait. Alors, il y a besoin de négociation. Tout ce qui est là, et je vous remercie beaucoup de votre présence. Au nom du RPD, rassemblement du peuple pour la démocratie et notre parti politique met beaucoup d'accent sur le rassemblement parce que nous voulons unir les enfants du Congo, indépendamment de leur origine, indépendamment de leur religion, indépendamment de leur couleur de peau. Ozamoulouba, Ozamoussarata, Ozamoulou, Ozamoussong, Ozamoutakiv, tout ça, nous voulons être rassemblés tous ensemble pour être forts. Pour nous, en matrimonialisme. Oh, toi, ce que vous voyez sur le matrimonialisme, nous mettons l'accent sur la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le fait que nous sommes là-bas. Donc, nous avons dit que 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 le peuple a le droit pour le monde. Parce que ce qui dirige le pays, dirige au nom du peuple. Démocratie, ça veut dire démence, peuple, tracé, gouvernement du peuple. Et puis, on met beaucoup d'accent sur le renouveau. Renouveau, non seulement des hommes, mais aussi des idées, aussi des mentalités. Tant que Mboka Oyo, tu recherches mentalité, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles idées, parce que là, maintenant, toujours fonctionner sur le deuxième république, donc Makama Mobutu, qu'est-ce que nous avons besoin? Donc, deuxième république, Mobutu, toujours on a mon disque à ce qu'on. Nous devons continuer à combattre le Mobutisme sans Mobutu. Je vous remercie.